Pointe-aux-Noires, deuxième grande ville du Congo, manque des espaces de loisirs dignes d'occuper ses citoyens. Pour preuve, lorsque les élèves entrent en période de grandes vacances, ils sont souvent confrontés au manque de lieux récréatifs, si ce n'est les balades en bordure de mer. Donc je suis obligée de rester à la maison, d'aider mes parents, afin que même lorsque l'année va recommencer, puisque qu'on me fait l'année scolaire, donc je suis obligée d'aider mes parents. La présence autrefois de la foire internationale de Pointe-aux-Noires et l'afflux des espaces sportifs occupaient pleinement les jeunes en période de vacances. Vive donc un regard des autorités sur la question d'espaces de loisirs dans la ville océane au moment où celle-ci s'emploie à bénéficier de la part du président de la République une municipalisation accélérée additionnelle.